Et bonjour, donc nous voici pour une petite présentation du Bicycle Bone Rider. The. Allez, donc c'est parti. Donc la face. C'est pour Halloween. Ouais, il y a un squelette dessus. Et la citrouille. C'est ça. L'arrière. Donc l'arrière ressemble au dos des cartes, plus ou moins. Hop, l'étiquette. Donc là, bien sûr, ces jeux-là, j'essaye au maximum de garder l'étiquette quand je les décolle. Voilà. Marqué Bicycle ici. Si on ne sait pas, c'est encore marqué ici. Alors, j'avais oublié de dire que les tuyaux, il est légèrement gaufré. Il est en surépaisseur. Ouais, donc, ça reste quand même un bel étui. Sur le côté, fabriqué aux USA. Voilà, si on ne sait pas, c'est marqué en gros. Et là, c'est pas la Peugeot ce coup-ci, mais c'est le bicycle qui est nommé 504. Hop. Petit sigle à l'intérieur. Avec, c'est quoi, une chauve-souris? Ouais, Oui. chauve-souris. Et voilà. Allez, à l'intérieur, on va retrouver nos cartes. Et qu'est-ce qu'on retrouve de plus? Alors lui, c'est pas un jeu qui est asymétrique. Je l'ai regardé bien sûr avant. J'ai pas trouvé d'asymétrie, donc je considère qu'il ne l'est pas. Bonjour, salut, Voilà, salut. c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on retrouve comme carte? On retrouve encore une fois ben, la fameuse carte blanche. Maintenant, c'est rare de pas les trouver dans les jeux. Et on retrouve une carte double dos. Voilà. Et on retrouve bien évidemment, voilà, les deux jokers. Donc ils sont les mêmes. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Allez, quand on étale le jeu, ça ressemble à ça. Ça reste un beau jeu de cartes. Au début, quand on voit les tuyaux, on se dit tiens, c'est un jeu qui va être beaucoup dessiné, il y aura beaucoup de photos dessus et tout. Mais en fait, pas du tout. Donc, c'est un jeu de cartes qui est largement utilisable en magie. Donc, c'est vraiment très très bien. Le jeu est très propre. Et au niveau des faces, il n'y a rien à dire aussi, hein. À part la couleur qui change, bien sûr, sur les rouges. Donc, ça tire plus vers le orange que sur le rouge. Mais c'est largement exploitable, il n'y a aucun souci. Allez, là sont le Messi et on commence. Donc les index et les symboles sont légèrement effectivement différents que sur un jeu bicycle. Ils sont Enfin. plus fins, ouais. Mais c'est pas choquant pour nous. Allez, je passe rapidement. Enfin, à part les figures qui sont. Si on bouge comme ça, on arrive à voir un. Voilà, hop là. Là, je suis bien. On arrive à voir un petit reflet au niveau de l'encre dorée. C'est sympathique. C'est joli. Hop. Autrement, rien de particulier. Donc, je vais les passer assez rapidement. Donc, pareil, bien sûr, sur les autres. On ne s'attend pas à voir ça Ben oui, en regardant les c'est, on trucs. se dit ça va être encore un truc comme un club tattoo deck ou les trucs comme ça là où les jeux sont beaucoup dessinés comme un Unstock et tout ça. Et pas du tout. Le jeu est, je vais dire, classique. Et voilà. Donc encore une fois, à part l'as de pique, hein, qui a un design forcément un peu différent. Autrement le reste, c'est simple. Voilà. Encore une fois, une petite présentation de ce fameux Bicycle Bone Riders.